Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Lévis, au centre Valero-les-Écarts. Fait qu'on va venir rouler un petit centre que ça fait plusieurs années que j'ai pas roulé. J'ai ma copine qui restait juste au coin de la rue ici. Fait que c'était mon petit centre pour venir m'évader. Ça fait qu'on va faire quelques petites pistes du côté de Lévis. Et il y a un réseau de l'autre côté de l'autoroute à Pintendre. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Fait que c'est sûr, c'est pas un très gros centre que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce centre-là se trouve être sur le bord de l'autoroute. Donc on a un petit peu dénivelé ici. Mais on va beaucoup monter et descendre cette crête-là pour avoir accès à un petit peu de vitesse, un petit peu de descente. Ça fait que c'est un centre assez facile. On va avoir beaucoup de pistes vertes. On va avoir quelques pistes bleues. Peut-être une petite section noire ou deux. En général, c'est un centre très facile. Fait que c'est super le fait d'avoir accès à des pistes en pleine ville comme ça ici. Super! Ah, les pistes sont belles! Wow! Very cool. Ah, j'aime ça. La dernière fois que j'ai fait ces pistes-là, je devais être en Capra. Capra rouge. J'avais quand même bien apprécié. Donc là, on est dans la 2, qui est une bleue. Obstacle pour moi! Hein? Je vais me faire voir! Ça fait que tout au long de notre piste ici, la 2, comme je disais, on va avoir des petits obstacles comme ça. Petits obstacles optionnels. Donc, si vous êtes débutant, pas besoin de les faire. Bon, ma montre ne fonctionne pas. Bravo, champion! Bon, on va focusser là-dessus. Hey, je sais plus comment faire des obstacles, ça va pas bien. Bon, pas tombé au moins. Puis les autres m'ont pas vu surtout. Bon, ça l'a du premier coup. Bon. Alors, le grand écart, ça va être pour moi à gauche. Donc, cette boucle-là que je viens d'entrer me rajoute un petit kilomètre. Ça va être une petite section bleue versus la petite boucle à ma droite qui me ramenait tout simplement à l'entrée. Pour l'avoir fait dans le passé, c'est pas rien de trop fou. C'est juste qu'on a un petit peu de rock garden à passer. Ça me dit quoi? Ouais. Ça, c'est une partie de la ligne bleue. Qui nous amène vers la traque de chemin de fer. Ça. Yes. Ah. Super le fun. C'est un petit peu frisqué en partant tantôt, mais là, ça reste agréable. Fait que ça, c'est un point de vue. Ici, c'est l'extra
doit être la petite section noire. Encore dans la section bleue. Oh, un petit peu noir en bas. Donc, sur la traque de chemin de fer, juste ici. Mathieu, un train! Ah ah! C'est ça, tu connais un raccourci que tes chums connaissent pas? Yes! Bon, je vais continuer la petite run jusqu'ici. Je crois que j'ai pris l'option facile, mais c'est pas grave. On est en début d'année, on force pas trop, on pousse pas trop en machine. Pour regarder ceux qui donnent du temps ici, vos pistes sont vraiment belles. C'est sûr, on est dans une piste facile. Quelqu'un qui commence, c'est la place à privilégier. Ah oui, je m'en rappelle de celle-là. J'étais pas si loin. Plus petite vitesse possible. Ça à gauche. Ça. I. Ah, l'NGP. Il y en a qui montaient. Quand tu reviens, ben tu les fais à l'envers. Fait que celui-là, il ne devait pas tant kicker tantôt. Il va kicker un petit peu plus parce que j'ai de la vitesse. Ça, ici, par exemple, je peux passer ici tantôt. On est dans l'autre secteur, voir qu'est-ce que ça dit. On repasse à côté du stationnement. On va sauter ça? Ben oui. Pas étendre par là-bas. Attention aux piétons.